déjà, avant de commencer cette vidéo, je tiens à m'excuser car la qualité et mon commentaire est juste dégueulasse. J'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Moi, je vous dis ciao ciao. Yo tout le monde, c'est Fanny. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où je présente ce jeu Castlecraft. Donc je l'ai trouvé, je cherchais un peu dans Google. Et là, je l'ai trouvé. Donc le but est très simple et je trouve qu'il est très addictif. Le but est de... Il y a plusieurs modes. Il y a le mode match à mort par équipe, capture de drapeau. Donc là, je vais en capture de drapeau. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a deux équipes. Il y a attaquant et défend ceux qui défendent le château. Donc là, il y a quelqu'un. On a différentes armes. On a la pioche. L'arc. L'épée. La massue. Et pour poser des blocs. Alors, on va essayer de rentrer. Est-ce qu'il est fortifié? Oui. Donc, il y a certains châteaux qu'on n'a pas besoin de missiles. Oh là là, je lag. Désolé pour les bruits de fond. Donc, on va casser ça. Wow. Ouh, dragon. Donc là, on a eu de la chance. La chance, on est tombé sur le dragon. Qui dit dragon, dit entrer dans la base. Bouge pas. Voilà, toi c'est fait. Oh. Alors, on va aller par là-bas le déposer. On va nager. Hein. Donc voilà, le but est très simple. Donc aussi, si j'aurai l'occasion de le faire, on peut détruire les châteaux adverses à l'aide de catapultes et de pierres dures à casser. Ouh là là, je me fais courser. Vite, vite. Bon, on a gagné. Enfin, j'ai posé le drapeau. Donc, il y a plusieurs maps. Regardez, il y a Windsor, Bodiam. Après, je vous dirai leur fortification. Il y a Saint-Michel, Canwy, Alcazar, Burke, Belfast, Tunnel. Et j'ai appuyé sur Belfast. On va quitter. Hein. Oups. Oh non. Par contre, le seul inconvénient du jeu, c'est qu'il a beaucoup de pubs. En même temps, il est en développement. Il est sorti, je crois, hier ou avant-hier. Moi, je l'ai trouvé aujourd'hui. Donc, il y a Windsor, Bodiam, Saint-Michel, Canwy, Alcazar, Burr. Oh là. Eh, mais je fais qu'appuyer. Allez, Donc, et après il y a juste tunnel, donc je pense que je l'ai tous montré. Après, il y a deathmatch, c'est-à-dire match à mort, mais les générales si vous préférez. Après, on a match à mort par équipe. Après, on a match à mort heroes, c'est qu'on a tous les power-up, genre l'arc on tire plusieurs flèches. On a plus de dégâts, etc. Et mon mode préféré, le capture de drapeau. On a un seul drapeau à capturer dans le château adverse et le ramener à la base, sachant qu'il y a plusieurs gardes. Donc mon nom c'est là, Heroes, si vous voulez m'ajouter. Voilà, en français héros. Après, voilà, c'est tout. Je pense que j'ai tout dit. Donc voilà, un très bon jeu. Après, si vous voulez, vous avez des jeux ici. Je vous conseille Call of Battlefield. Attendez, celui-là.
Voilà, il est très bon jeu, un très bon jeu, je l'ai testé. Après, voilà, il est en développement, donc je vais aller vous le montrer sur Google Play. Donc voilà. Allez. Voilà, dragon, enfin les nouveautés. Donc il y a dragon, chevaux, de nouvelles cartes ajoutées, auto-saut ajouté. Ah, par contre ça, l'auto-saut, il est vraiment chiant. Hein. Je vous le dis direct. Collision de caractères ajoutés, divers changements effectués. Ouais, bon bah le jeu, je pense qu'il est sorti il n'y a pas longtemps. Je crois que c'était hier ou avant-hier. Je me répète, voilà. Voilà. Les commentaires, très prometteurs. Il a une assez bonne moyenne, 4,0 pour un jeu nouveau. Je crois que Clash Royale et tout, c'est 4,6. Mais il n'y a aucun jeu qu'à 5. Du moins, je crois. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Moi, je vous dis pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao. Si j'arrive à couper ce...